Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale sur la vaccination des volailles pour la maladie de Newcastle, ce qui est obligatoire pour les expositions. Donc je me suis dit en vaccinant, tiens, c'est le moment de faire une vidéo, vous montrer comment je procède. Là j'ai fait les cannes cunues, j'ai fait les ardennaises et il me reste les mâles cunues. Donc comme ça crie pas de trop pour la vidéo, ça va être impeccable. Donc je vais vous montrer comment je procède et quel suivi là. Voilà. Donc on se rejoint tout de suite là où on vaccine. Donc voilà. Alors c'est simple là, sur la table. Je vaccine avec le produit Nucavac. Voilà, j'ai déjà préparé la seringue. Et aussi le suivi de tous les animaux que je vaccine. Canard et ardennaise. Donc c'est très simple, j'ai déjà un canard dans les mains. Je vais vous montrer de près comment je vaccine. Alors, on prend son canard entre les jambes et on le maintient bien qu'il ne bouge pas. Voilà. On a le dessous du canard ici. Alors je bloque un peu léger sans forcer la tête entre les jambes. On a le bréchet ici, là, entre 1 et 2 cm près du bréchet, hein, une zone dénudée. On prend sa seringue avec le produit qu'on a préparé. Hop, on pique dans la chair. Et tout doucement, et tout doucement, voilà, on injecte le produit. Voilà. Hop, voilà. Et il est vacciné. Voilà. La dose c'est 0,5, donc un demi millilitre. Donc j'ai fait une vingtaine de canards et une dizaine de poules comme ça. Alors voilà, comme je vous dis, ils sont tous vaccinés. On va faire le tour un peu des volailles. Et je vous ai montré comment je vaccine. Maintenant, on va profiter que la vidéo soit pas trop longue pour faire le tour des volailles. Voilà. Alors là, on a les trois derniers que j'ai vaccinés. Là, on a les ardennaises qui ont été vaccinées. On peut voir. Là, on a les pondeuses. On a les pigeons là-bas, le couple d'araucanas encore. Alors on a bon, les cerfs, juste après je pense que je ferai une vidéo sur le potager. Voilà. Et il y a quelques petites choses qui changent. On prépare le fumier, la matière organique pour mettre dans la terre. Voilà. Alors, voilà, là ça va mieux. Chez les canards. Voilà, ils sont tous vaccinés, hein. Voilà, les derniers nés, hein, qu'ils ont bien grandi. Maintenant, ils sont ici. Je vais attendre de récolter encore un peu de poivrons pour avancer la clôture. Là c'est pareil. La première expo sera dans 2 semaines. Là par contre, je vois, j'ai une canne. Et alors je sais pas si on va la voir. J'ai oublié de retirer. J'avais fait un repère avec une petite ficelle bleue à sa patte. Et j'ai oublié de la retirer. Je vais devoir la rattraper pour lui retirer. Voilà. Donc on va aller voir les lapins. Parce que là, tout à l'heure, en venant, j'ai vu que la fauve de Bourgogne avait préparé son nid. Alors qu'une heure avant, il n'y avait rien. Rien du tout. Voilà. Là, ils vont retourner là-bas aussi.
Alors, les chapons, je vais pouvoir leur ouvrir. Bon, les lapins, ils sont toujours dans leur cage à pâturer. Voilà. On peut voir, j'ai fait du blé germé. Voilà, je vais pouvoir en mettre un peu. J'ai mis de l'avoine noire aussi à germer pour les poules. Alors ici. Alors là, c'est les deux jeunes qui restent. Je vais leur remettre de la paille, tout ça. Là, il n'y a encore rien, je vais mettre les lapinins. Alors là, voilà, on va pas trop la déranger, mais on voit qu'au fond, il y a tout plein de poils. Et elle n'a pas encore fait ses petits, je pense. Voilà. Et on a les autres ici. Ils sont tout calmes. Voilà. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer de faire en suivant une vidéo sur le potager. Voilà. Allez, salut tout le monde.